Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Je me présente, je suis le professeur Tissimo. Vous pouvez m'appeler Doc, t'as compris le... Hein? Je suis le médecin de l'internet pour ceux qui savent pas, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une petite pathologie liée à internet. C'est normal, on est là pour en parler. Qui veut commencer? First, monsieur, Kevin, s'il vous plaît, first. J'en peux plus, t'as tout gagné, t'es banni. Oh non, s'il vous plaît, je ferai plus. Ne vous inquiétez pas pour ce début un petit peu houleux, on va remplacer Kevin par un nouvel arrivant, il est un petit peu timide, vas-y présente-toi. Bonjour, alors moi c'est Gilles. Bonjour Gilles. Alors moi en fait je vous explique que j'ai un petit problème, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis tout simplement bloqué. Gilles, ça va? En fait je vous explique, vous avez l'air un peu con, il est bloqué à 140 caractères en fait. Ah! Exactement, je suis bloqué à 140 caractères, merci beaucoup, du coup c'est un peu handicapant parce que j'aimerais bien parler. On a un petit problème, un petit peu semblable, un petit peu analogue, c'est Rodolphe. Ah non, moi quand même, et je suis plus que Gilles, c'est quand même un peu plus grave parce que j'ai des problèmes de connexion. On va terminer votre phrase, vous aussi, c'est pas possible, on y comprend rien. Essayez la 144p, des fois ça marche. Ah oui, la 144p, ça marche. Alors justement, j'ai des problèmes de Oh, la journée va être longue. En même temps, le mec, il est encore en 3G, quoi, je t'explique, hashtag loser. Oh my god, le filtre moon, ça fait trop bien sur mon visage. Regarde, ça fait ressortir mes yeux. Oh la vache, regardez. Mais Kim, écoutez, vous savez bien qu'on est sur une journée hashtag no filter. Un minimum de respect pour les gens qui sont en rémission. Tiens, comme Marc, par exemple. Merci, docteur. Personnellement, ça fait 4 mois que je n'ai pas touché à Facebook et que je n'ai rien posté. Eh, on applaudit Marc, c'est incroyable. 4 mois. Oh, bravo, Marc. Alors, si j'allume Facebook, Marc, ça ne vous fait rien du tout? Ça ne fait rien, non. Et si je décide de vous poker et de vous envoyer un petit message sur Messenger, vous n'y répondrez pas, Marc? Non, j'y répondrai pas, non. Alors si je vous invite à jouer à Candy Crush Saga, que j'ajoute quelques-uns de vos amis, et que je remarque que vous avez 9393 notifications en at... Oh. Ah yes! Enfin, je peux liker et commenter! Oh, je suis trop mignon! Je like! Nathalie a eu son fils! Je te boxe cette pute! Je like! J'aime, je commente! Yes! Bon, je crois que Marc nous a quittés définitivement, les amis. Oh, monsieur. Quoi? Voilà, mais monsieur, moi j'ai toujours mes petits problèmes d'apparition de temps en temps autour de moi. Ça, c'est les pop-up chroniques, je vous ai prescrit une ordonnance à bloc la semaine dernière, qu'est-ce que vous en avez foutu? Exact, mais je n'ai pas pu accéder à la page, je sais pas, je pense que j'ai dû attraper un virus ou merde! Mais vous traînez sur les sites un petit peu olé, regardez! Ah non, moi je sais pas pourquoi j'ai ça! Ah non! 15 minutes. Mais merde, mais lâchez-moi! Vous me faites chier! Restez là, autour de moi! Oh! Aidez-moi! Monsieur First, monsieur, s'il vous plaît, First! Monsieur First! Non mais c'est pas possible, Doc, ça faut vraiment nous aider à faire quelque chose, je peux plus. Ah là là, c'est horrible toutes ces maladies. Plus que sur j'aime, c'était un cœur. J'en ai marre de toutes ces maladies de l'internet qui nous pourrissent la vie. J'en peux plus. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit que j'en avais marre. Et là, il va enlever ses lunettes. Fou. Je vous avais dit de pas revenir. Vous faites chier à toujours. Spoiler. Ouais, merde. Et là, il va me demander de sortir. Vous sortez. Il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'il y a un photobombe sérielle killer dans cette pièce. Quoi? Moi, je me désabonne. Il peut être absolument partout. Oh my god. Il est sur toutes mes photos. Il est là. Kim, j'ai une idée. Reprenez un selfie, c'est le seul moyen de le débusquer. Non, mais vous êtes sûr? Parce que moi, personne va aimer ma photo après, si je suis pas toute seule dessus. Arrêtez de vous concentrer sur les gemmes, on s'en fout. C'est une question de vie ou de mort. Prenez ce foutu selfie. Putain, sur internet. Oh non, j'ai encore raté toute la vidéo. Pourtant, j'avais fait la dernière mise à jour. Mais tu sais, c'est pas grave, Rodolphe, parce que c'est la fin. Et là, ils vont me demander de t'abonner et de regarder le making-of. Du coup, je fais quoi? Je m'abonne? Oui.